Salut Choupinou. Salut Sagi. Salut Anakin Yumi. Les appartements à Montréal, ça n'a tellement rien à voir avec la France. J'ai trouvé tellement vite quand je devais partir là-bas, alors qu'ici, c'est bien la galère. Pas de tas de paperasse comme en France en plus. Pas de caution car c'est illégal là-bas. C'est une expérience à avoir en tout cas. Cool, c'est parti. Bon jeu. Bah, surtout que. Non, mince, il y a quelqu'un. Comment je fais pour passer hors ligne? J'ai mis l'armure invisible, je la trouvais jolie. Bah oui, regardez, c'est hyper classe. Elle est pas entièrement invisible. Du coup, il y a des gens. Comment je peux me mettre hors ligne? C'est quoi la technique? Parce que j'ai pas envie de me faire embêter pendant que je joue, ni de me faire aider, quoi. Enfin, les deux, je voudrais être tranquille. Ken, comment tu fais si tu es obligé d'affronter un mobile qui a un dindon et que tu peux plus avancer si tu le tues pas? Serait-ce ton unique point faible? On discutera. La zone où tu es rendu, la forteresse oubliée, est assez longue et chiante. Ah, tu m'envoies du rêve, là. Salut, Dovacouille. Premier live que je regarde depuis un mois sans internet, le retour à la civilisation. Ken confond invisible et transparent. Oui, c'est ça. C'est plus transparent qu'invisible. Bon app, Kimisukiro. Salut, Midael. Yop, Crazy Levy. Technique du hurling, débranche ta box. Ah, je peux pas faire autrement, parce que ça va couper le stream si je fais ça. Ouais, c'est une armure invisible qui est visible, c'est ça. Alors, c'est au menu principal, je dois quitter pour passer hors ligne. Ok, on va voir ça. Alors, si je fais ça... Faudrait qu'il me dise, ah, on peut pas se connecter, des fois il me fait ça. Ce serait bien. Allez, t'arrives pas à te connecter, tu me passes en hors ligne et on peut jouer. En carcasse, globalement, tu es hors ligne. Elle marche comment ton armure? Je sais pas trop. Elle est jolie. Ah! Alors sélectionnez annuler pour lancer le jeu en mode hors ligne. Bah voilà, on est bien. Si tu vois des zombies qui te courent dessus, fais attention, il explose. Ok. L'armure pas très visible, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors on a 2600 âmes, on n'a rien pour EP, non. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour les gens qui ont suivi depuis le début... Pourquoi je lui parle? J'en ai aucune idée. Pour les gens qui ont suivi depuis le début, est-ce que vous avez un endroit à me conseiller? Genre quelque chose qu'on n'a pas fini, qu'il faudrait absolument faire qu'on en est rendu donc ici. Le feu lointain, la forteresse oubliée. Quai de la désolation, donc ça on a fait. La cathédrale bleue, je pense que... Je sais pas ce qu'on a fait ici. La tour des flammes de Aid, la forêt des géants défunts, l'orée. Yup, Kinold. Armure fantomatique, c'est ça. Salut Crane, j'aimerais bien un peu de sel, nous dit Alson Werdy. Toujours pas de bouclier? Non, les boucliers c'est pour les faibles. Il a fait des trucs après Orstein hier. Bah oui, j'ai fait le... Comment ça s'appelle la zone des pirates. Qui était horrible. Que j'ai rush. J'ai rush. Et nous avons Kinon. Kinon qui sera bonne pour la 6e fois. 6 mois de soutien. Un grand merci à toi. Des bisous. Et bim. Et bim le resub de Kinon. Et bim. Mais jouer hors ligne, c'est rater des achievements. Je m'en fous. Tu peux passer par le nid après. Go faire le deuxième boss de la forêt. Mais j'ai déjà fait ça, le deuxième boss de la forêt, non? J'ai fait ou j'ai pas fait le deuxième boss de la forêt? Bonjour, Crane. Va sur ta droite, tu trouveras Griffith. Casca est un peu plus loin. J'ai pas fait de boss dans la forêt, je sais plus. Je sais plus c'était quoi la forêt déjà. Crane va à pied vers Aid. Il y a une surprise nouvelle en chemin. Oui, j'ai fait le boss dernier géant de la forêt des géants défunts, ouais. Tu as fini la forêt, Crane, tu as récupéré l'armure et l'épée de Dranleik. Je crois que oui. En fait, Crane, tu as déjà fait Dark Souls 1, pas en entier. Pour le moment, je préfère Demon Soul. Yop, Animoflo. Donc, tu veux que j'aille à pied vers... vers... la tour de Aid et qu'il y aura une surprise en chemin. Et quelle est donc... Est-ce que c'est une surprise genre... genre je meurs ou c'est une surprise... Dans la forêt, t'as le poursuivant et le dernier géant. Mais j'ai fait ça le poursuivant.
Crane, c'est comme Yvain, il trouve que ça fait trop nul le bouclier. Ah, c'est ça le... Ah. Acheter objet, qu'est-ce que tu veux? Augmente la foi. Un miracle, mais je peux pas les utiliser. Soin. Donc en gros, il est en train de me dire qu'avec un miracle, je pourrais révéler un deuxième endroit. Par contre, ça va être embêtant si avec ce build, je peux pas tout faire. Bah du coup, Crane, tu as deux accès à la zone suivante. Soit celui derrière le type qui volait avec le nid de corbeau, soit l'accès que tu as eu au bateau. Demande à la prêtresse de te montrer le passage secret. Et Gavroche qui tout fait un don. Salut Crane, un petit don. J'en profite pour te faire découvrir, pour faire découvrir ton live à un ami. Et bah bienvenue à vous deux. Et merci beaucoup pour le dindon. Ah, déplacer la voix. Âme requise 2000. Allez, on va faire ça. Est-ce que c'est une surprise ou une surprise? Ok, quel est donc ce nouvel endroit? Est-ce que c'est genre l'arnaque totale? Je vais pas parler ceci dit, faudrait peut-être que j'épuise ces dialogues, ça pourrait être bien. Okay. C'est bon, j'ai fini là. Mais j'ai fini. Je pense, je sais pas. Ouais, ça tourne en boucle. Laissez. Ah, tu vas déjà par là. Il faut pas aller par là. Attends, déjà on va ramasser ça, il y a un cadeau. Au rouge. Crane, va falloir que t'arrêtes de jouer à 19h. C'est une mauvaise idée d'aller par là. Zone sympa par son ambiance, je trouve personnellement, mais si tu aimes pas le poison, tu vas criser. Bon, on va faire l'autre zone. Salut Dr. Hood. En tout cas, il y a cette zone-là à faire. Je sais pas quelle zone... Là, j'ai trois endroits où aller. J'ai soit cette zone, soit je peux sauter dans le puits vu que j'ai l'anneau du chat, soit je peux aller dans la suite de l'endroit où on était. Exactement, Spark Hunter. Si, c'est bien. Bonsoir, Crane. Vous feriez quoi à ma place, là? Si vous étiez rendu à cet endroit-là dans le jeu. Crane, cette femme est une menteuse. Elle a du rembourrage dans sa robe. Quand je la mets avec mon perso, il a un gros cul, d'accord. T'as le choix de la zone. Elles sont toutes à la même difficulté, à peu près. Fais la forteresse. Il a fait le manoir, le puits. Non, le puits, ça a l'air chiant. Salut, le chat, jolie épée. Non, là, vous ne me dites pas que ça rame. Je stream en 30 FPS, là. Me dites pas que ça rame, cette fois-ci. J'ai lancé directement en 30 FPS. Crane, je te conseille de passer par le nid de corbeau et de trouver le feu secret. Bon, on va en faire ça. Alors, pour... il faut passer par où, déjà? Le nid de corbeau, il était derrière le boss. C'est ça. On va aller là-bas. Donc, c'est ici, si je dis pas de bêtises. Non, mais ça rame pas, là. Moi, j'ai zéro drop. Hein. Je suis tristesse. Non, j'ai zéro drop. Hein. Donc, je sais pas quoi vous dire. Le jeu lag chez vous. Je vais tester un truc, mais bon, je pense pas que... Je vais couper l'enregistrement. Tant pis. Voilà, l'enregistrement est coupé. Vous allez me dire si vous allez gagner de la fluidité, mais vu que j'ai zéro drop et que c'est fluide chez moi, je vois pas ce que ça pourrait changer. Ok, ça c'était bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux peut-être faire ça. Concentré. Ah voilà. Non, pas de coup.
Sans enregistrement, plus de problème. Bon, bah, c'est mon PC qui est pas assez puissant, alors. Il faut que je change de PC, de toute façon. Il faut que je change. Alors, attends, j'aimerais ici. C'est le processeur de graines qui fait grève, exactement. Oh genre. Oui, c'est ça. C'est l'espadon des quais de la désolation. Je vais de me retaper tout ça. Ok. Je vais avoir du mal, hein. Cette arme, elle est particulière. Enfin... Oui, ça a l'air bien, Khalid. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial, ton conseil. J'aurais pu courir, en fait. Tout à l'heure, je fais. Genre. Ok. Donc, même Loki, va falloir viser maintenant. Je viens de démarrer le stream, mais j'aimerais savoir comment tu as configuré tes bannières, le chat, etc. Je sais pas ce que tu veux dire. Comment j'ai configuré? Ken, je te conseille de tester l'attaque légère à une main qui te permet de gérer les foules d'ennemis. Attaque circulaire. C'est vrai que ça a l'air bien. Ouh, ça a l'air pas très bien ça. On va tester. Je peux tester sur eux? C'était bien. J'ai bien aimé. Bon, moi j'ai bien aimé. Non, je me suis pas pris pour Cloud, je me suis pris pour Guts. C'est différent. C'est différent. Non, je l'ai récupéré dans la cave des pirates, vieux Tex. En courant. Comme un sauvage. Ouais, je monte ma force actuellement, le chêne du yak, donc je pourrais faire de la power stance, double espadon. Oh, des gâteaux et un feu. C'est cool, ça. Du coup, il faut... Bon, on va dire que c'est pas des mimiques, hein. Vous m'auriez prévenu. Ok. Ah, c'était quoi? C'était une clé, ça? Et du coup... Comment que je fais? Ah, mais là, c'est de l'autre côté. Yup, Almist. C'est quoi l'armure? Je sais plus. C'est un truc transparent. Attends, lui, il a pas l'air content là-bas. Je vais regarder mon armure. Armure de Rousse. D'Auros. De les classes. Je voulais pas mettre d'armure, mais vu que celle-là, elle est à moitié... elle est transparente, ça compte pas. Donc là, je peux pas passer. Là, je peux passer. Ouais. Ça sent l'arnaque. Je peux passer? Ah oui, je peux passer. Du coup, on va aller voir par là. On a l'air bien par là. Vous le sentez, le décès? Il y a un cadeau là. Oh, ça, ça aurait pu tellement être l'arnaque. Ah oui, regardez, il est là. On ne voit pas. Il nous a pas vu. Personne. Donc là, ça se trouve, je pourrais passer par là directement. Ça a un intérêt si je saute là ou faut pas.
Comme j'aimerais trop faire le jeu avec quelqu'un qui le connaît par cœur et qui me dit où aller en temps réel. Oui, pourquoi y aller? Là, tu te dis, ah bah tiens, là, si tu vas à tel endroit, tu peux faire ci, ah bah, puis ça, puis ça. Il y a un coffre là-bas en plus. Il y a un coffre. C'est pas bien d'aller là? Oui, saute. Ah là là, Étard. J'aime pas trop ce que tu me dis. Do it. Vous êtes vilain. Il va crever. Ren ne saute pas. Pourquoi vous voulez pas que je saute? Pourquoi faut pas? Mais expliquez-moi, j'aime bien comprendre. Va et rush le coffre. Il y a un poursuivre. Oui, j'ai été chercher l'anneau qui donne plus de PV en forme de carcasse. Tu peux faire le tour comme tu veux, jolie épée. Salt is coming. Prends tes responsabilités. Do it. Tu sautes, tu meurs. Qu'est-ce que j'ai? Sautes, tu meurs. Ok. Ah mais non, je voulais, j'ai appuyé sur le. Ah ben non, j'ai appuyé. Pourquoi il a pas roulé? J'ai pas compris pourquoi j'ai pas roulé tout à l'heure. J'ai vraiment pas compris. J'avais de le, j'étais pas sur le menu. Non, j'étais pas sur le menu. Non, bah j'ai pas compris. On va voir. On va y retourner, hein, ça a l'air marrant. On n'est pas assez près, on va la voir. Plus c'est ce que je préfère, les fights de ce type. Est-ce que je pourrais. C'est Willy. Mais l'autre avant ça marchait quand je faisais ça. Ah d'accord, c'était bien. Il est simple avec un bouclier. Non, il vient pas qu'une fois. Bon, je vais voir si je prends des dégâts de chute. Parce que c'est chiant de switcher l'anneau. On n'a rien à perdre. Hein. Non, je prends pas de dégâts de chute. Donc, alors. Non, par contre, les chiens, c'est chiant. Allez, non! Non, mais non! Non, mais pas trois chiens. Pourquoi tu veux pas taper? C'est déjà pas assez compliqué avec, avec le boss. C'est bien, on commence par simple. Non, les chiens, c'est chiant. Allez, je veux tester le mob, moi. Je veux pas des chiens.
Alors là, normalement, je devrais pouvoir tuer les chiens avant de le faire pop, si tout va bien. Si tout va bien. On va passer comme ça. Et puis tiens, c'est quoi ce foutage de gueule? Genre, ils vont pop. Ok, je comprends pas. Je comprends pas parce que j'appuie sur le bouton pareil. Et nous avons Saskia, Saskia qui se réabonne pour la 5e fois. Merci beaucoup, Saskia. C'est très très gentil à toi. Allez, on est bon. Et bim, le ressort. Mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas parce que je roule à chaque fois. Je ne comprends pas. Parce que si j'arrive à rien faire au bout d'un moment et à pas faire une esquive, je vais peut-être me poser des questions. Yop, French girl. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir de délai sur la roulade. Je sais pas, je comprends pas. Oui, le compteur est pas à jour, Joseph. Vous comptez. Et puis... Il boude ? Non, il boude pas. Ok. Là, il va me rusher. Non. Ok. Oh mince. J'aurais dû rouler sur le côté. Ok, je vais me prendre les chiens. Ah non. En fait, il va me toucher du bout de son épée. Et il va me tuer. Bon, c'était déjà un petit peu mieux. Bon, je l'ai touché deux fois. Yop, Rio. J'espère juste que les chiens vont pas... vont pas venir sur le fight, quoi. Comment je suis... faut que j'arrête de faire l'attaque lourde, je pense. Trop tôt. J'ai fait ma roulade trop tôt. Oui, il y a des toutous derrière la porte. Mais je m'en fous d'être obligé de faire le boss, c'est... ça m'amuse. On fait les jeux par obligation. Et nous avons Capitaine Moon qui se rabonne pour la 10e fois. Dis long mois de soutien. Merci Capitaine Moon. Des bisous à toi. Merci beaucoup. Et bim le resub. Et bim le resub de Capitaine Moon. Et nous avons Sibam qui se réabonne aussi pour la 10e fois. C'est-à-dire que vous êtes abonnés à peu près en même temps. Merci à tous les deux. Et bim. Et bim le resub de Sibam. Ah mince. Ok, c'était propre. C'était propre. Titanite scintillante. Là, je me suis pas fait toucher. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. On va faire ça.
Alors, là, il y a un trou. Et là, il y a une porte. Alors, est-ce que je peux faire un truc genre ça? Je suis pas tombé. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ok. Allez, viens, Billy. Ok, très bien. T'as une grosse épée. Salut, Glavak. Alors, j'en sais. Y'a que ça comme chemin. Hein. Je peux pas, genre, sauter là. Ouais, non, là, c'est pas un... C'est un trou. Là non plus. Là non plus. Non, bon, ça a l'air bon. What's the... Ah, il s'est un petit peu défoncé la mouille tout seul. Je vais continuer à la une main. Je vais juste monter ici voir ce qu'il y a. C'est la première fois que tu joues à Dark Souls 2. Salut DL. Enfin, c'est le troisième soir, mais oui, ça reste un début pour moi. Yop, Tazimut. Salut, Mephisbad. Donc, il y a le gros Billy qu'on voyait en face tout à l'heure. Il me voit pas là. Attends, je vais faire ça quand même des fois que. Je veux juste voir s'il me suit ou pas. Si genre il m'a vu. Non. Il y a le feu qui est juste là. Est-ce que je peux y retourner pour dépenser mes âmes? Non. Bon, on va continuer du coup. On va continuer. J'ai plus que 2 fioles. Après, j'ai 10 000 âmes. C'est pas non plus. Bon, c'est beaucoup quand même. J'ai pris guerrier. Donc là, c'est d'où je viens. Là, il y a quoi? Il y a un escalier ou un trou? Un trou. Bon, bah, ça limite le nombre de passages. Ça veut dire que c'est pas là. Ok. C'est un gentil ça. Genre un PNJ à qui parler. Oui. Ah, elle était utile cette porte, dis donc. Ça pouvait aller juste sur le côté. On va déjà prendre ce qu'il y a dans le coffre. Crane stream depuis longtemps, j'en suis sûr. Non, je viens de commencer. Enfin, Claire Cake. Très bien, on a une clé. Tu es qui? C'est quoi la différence entre guerrier et paladin? Il y en a un qui est plus défensif que l'autre. Ah, j'ai un cadeau. Une fille humaine, non, non. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Yop, Ezenor. Yop, Talimex. Vous voyez. Ok, on a fini. Tu vois à quoi elle ressemble? Bon, on sait pas. Il y a un masque. Attends, est-ce que genre on peut tricher? Non, on peut pas tricher. Ok, on continue.
Salut, Vio. On est à 6 morts. Je vais le mettre. Bon, ça va, ça n'a pas été trop difficile non plus. J'ai un peu galéré, mais pas trop. Ok. Ah, ça c'est chiant quand je reclique sur le jeu, ça met un coup. J'ai mis un coup un PNJ dans la ville hier comme ça. J'ai bien eu peur. Mais si on n'avait pas le choix. Attends, si j'ouvre la porte et que je vais là, sur le côté. Là donc il y a un trou et de l'autre côté il n'y avait rien. Non, y a... Donc faut aller par là. Qu'est-ce qu'on a par là? Là il y a des Billy, je ne sais pas s'ils peuvent venir jusqu'ici. Sachant que soit je peux descendre là. Lui il va être un peu chiant à affronter. Mais si je vais là-bas, j'ai l'impression que je ne peux plus retourner ici. Fait. Flamme persistante. Pom pom pom. Du coup, est-ce que si je monte sur le côté. Non, mais ça se trouve, je peux pas en fait. Je dis ça. Ah, mais si, je peux. Mais si je vais là, je peux plus revenir ici, c'est ça? Ah, si, je peux peut-être sauter là-bas. Non, je sais pas. Est-ce que je vais sur cette plateforme ou est-ce que je continue par le bas? Salut, crâne du sud! C'est la merde quand tu attaques les PNJ sans le vouloir, oui. J'ai peur de plus pouvoir revenir en arrière si jamais. Faut pas lui donner de conseils, c'est Dark Souls, il doit apprendre dans la souffrance et l'aide. Bah non, parce que j'aime bien jouer avec vous, donc l'important c'est que je joue de la façon qui me fasse continuer le jeu, pas de la façon où je me dise je vais jouer à un autre jeu. Tu peux revenir? Ah, je peux revenir, ok. Greenlife, tu m'appelles. Du coup, on va devoir se taper les deux, sauf... Non, mais j'ai pas spécialement envie de consulter le guide d'Exerve, même si j'ai beaucoup regardé de stream d'Exerve passer un temps. J'ai envie de découvrir avec vous. C'est comme ça que j'ai envie de jouer. Il y a un feu devant. Devant où? Parce que là, c'est quoi le... Ah, mais derrière, je vais pas pouvoir y aller de toute façon. T'as pas trouvé une plus grosse épée. J'ai l'impression que ça sert absolument à rien que j'aille là-bas parce que l'entrée, elle est bloquée. Donc je pense que ça sert à rien. Crane, la prochaine salle, fais attention, pas de spoil, mais fais gaffe. Genre là, oui, ça sert absolument à rien. Il y avait rien à faire. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Il y a une échelle à côté de la tour avec le PNJ. J'ai loupé une échelle. Ah oui, exact, tu as raison. J'ai complètement raté ça. Merci. Attends, faudrait que j'arrive à monter là. Je voudrais éviter de me tomber comme un boulet. Vous le sentez, la confiance? Tout au bout du chemin, qui part à droite en sortant de la tour, tu as un tonneau en haut d'un escalier. Pousse le tonneau bien droit pour créer un passage dans le mur. Attention que le mob devant le tonneau ne l'explose pas. Bonsoir Crane, je le redis aussi, je n'aimerais pas passer pour un malpropre. Salut Palpou. Bah, il y a l'air d'y avoir un canot et pas d'ennemis. Oh, un grand fragment de titanite, c'était bien ça. Merci de me l'avoir dit. Il n'y a plus l'autre srif. Alors, tout au bout. Je vais relire ce que tu m'as dit. Tout au bout du chemin qui part droit en sortant de la tour, tu as un tonneau en haut d'un escalier. Pousse le tonneau bien droit pour créer un passage dans le mur.
pousse le tonneau bien droit pour créer un passage dans le mur. Attention, devant le tonneau. L'ex... Ok. Essayez ça. Si je fais ça. Cliquez sur le jeu. C'est horrible. Alors, oui, c'est lui. Et il faut pas qu'il l'explose. Donc, là. Ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai peur de l'attaquer ici. On va prendre ça. On va... Est-ce que je peux faire un backstab sur ce mob? Est-ce que c'est possible? J'ai peur de péter le tonneau si je frappe... Salut Fanny Panda! D'ailleurs, pour ouvrir la porte bloquée, il te faut une branche ancienne. Ouais! Salut Alinia King. Le but, c'est que le tonneau parte bien droit et frappe fort contre le mur pour débloquer la flamme. Oui, je peux le backstab. Mais je vais pas exploser le tonneau. Il va pas m'entendre. Marche pas celui-là, pas le pousser. Non, je peux pas le pousser. Merci de votre conseil avisé. Plus qu'à mourir et recommencer, créer une GG chat. Est-ce que je... Ah oui, je suis obligé de mourir. C'est pas grave, tu y retourneras quand tu seras mort. Okay. C'est verrouillé. Et donc je peux pas y aller. Utilise As du retour. Hop. On va faire ça. Le feu ne reset pas le décor, seule la mort le fait. On va quand même aller dépenser nos âmes. Ah, j'aurais pu lancer une bombe incendiaire sur le mur fissuré. Ça marchait, ça? Oh, c'est pas grave, hein. Continuons d'augmenter la force. J'ai pas vu tes messages, Végalucine. J'ai vu que tu disais re. On commençait déjà dit bonjour. Je vais pas dire re non plus tout le temps. Et c'est... Ça va être ça. Ça marche pas la bombe incendiaire. Ok, très bien. Yup, Fred Van Geur. Très bien.
Yop Drigo, deux fois que je te dis bonjour, tu me vois pas, je te boude. Bye Angé Nicolai. Non, je plaisante. Salut à toi. Mais non, je t'ai dit bonsoir, mais j'ai eu le souffle vent. Lol, c'est pas grave, c'est que tu es à fond dans le jeu. Salut Vega Lucille. Mais oui, je suis à fond dans le jeu. C'est quoi ces 7e morts hein, vous retenez et puis après on mettra à jour de temps en temps quoi. Sinon on va pas s'en sortir. Je suis venu hier mais depuis j'ai l'impression que t'as triplé de puissance. Bah tant mieux, faut avancer quoi, faut s'améliorer. Voilà, la finesse est une chose importante dans la vie, très très important la finesse. Alors, est-ce que... Là, je dois le pousser tout droit. Là, on est d'accord, je suis tout droit. Attends, je suis pas bien droit. Voilà, comme ça. Comme ça. Hop, non, là, je suis pas bien droit. Alors, attends. Parfait. Une petite âme au passage. Là, il va nous rester. Ok, on est bon. On est bon. Salut Tendios. Comme pour les speedruns, tu as une petite macro qui compte les morts en détectant les écrans de mort et tu relis le texte de ton compteur. Oh, je savais pas ça. Ça a l'air intéressant. Et donc, il y a un feu ici. Oh, nickel. Super. Super. C'est sûr. Pas le pouls. Salut Avinceres. C'est un gentil ça. C'est un gentil. Oui, on peut lui parler lui. Oui. Je peux lui donner braise mourante. Elle est grosse cette épée, t'as vu ça? T'as vu ça, Rafibou? Salut, Dredzel. Yop, Rasputin, j'ai pas lu la fin. Oui, oui, donne-le lui, oui. Ok. Il est pas encore 21h et tu joues déjà, eh oui. Eh oui. Alors, je peux lui acheter des objets. Qu'est-ce qu'il vend? Épée bâtarde. Uchi Gatana, grande hache. C'est les faux arcs longs. Ok. Ça. Et là, il a quoi pour réparation? Infusée âme. Arme. Ça veut dire quoi ça? Je peux genre infuser mon ultra espadon? Je ne sais pas. Renforcer arme armure. Donc là, il va me dire. Non. Parce que j'en ai zéro. On dirait que tu aimes Dark Souls 2, c'est fou. J'ai pourtant l'échec critique dans le dernier épisode. Merci, Slack. Salut à toi. Donc il faut que j'allume ça si je veux. Ah, attends.